Hey, salut à toutes, c'est DR436 pour le cinquième épisode, un petit peu à l'escroc, là, comme je vous ai fait en un quart d'heure. En fait, je viens juste de sauvegarder les fichiers, et puis je suis vraiment dans la continuité. On va aller voir ce site des représailles immédiatement. Essayer de s'en tirer, c'est là où j'ai foiré la dernière fois avec Shannon, enfin avant-hier pour être précis. Donc on va envoyer notre escouade, je crois que malheureusement nos blessés ne sont pas revenus. En tout cas pour Yacine, il lui restait 4 jours, il doit lui rester encore un ou deux jours de convalescence. Ouais, on a deuxième classe Morvana, Dali, le caporal Taylor, c'est qui déjà le... J'ai oublié, non, c'est con, on voit que les noms de famille ici. Headshot, et puis une recrue. Ouais, je crois qu'on va juste retirer pour voir, mais Yacine, ouais, il lui reste un jour. Fait chier. Bon, bah ma foi... on s'en fout, on va prendre Xue Wang, allez. Par contre, pour le deuxième classe, le spécialiste, on va lui donner... Faudrait qu'on lui mette, on va mettre un medikit, ça il nous faut. Il a déjà le drone. Et puis, une grenade flash pour... Ah bah Yacine, ah mais non mais il est blessé, je suis bête. J'ai cru qu'il était de nouveau là, non ça va être Morvana, non c'est notre... Non on va mettre... Pour Taylor. Faudrait peut-être que je mette les noms de famille. C'est voilà, c'est Aisu. J'ai pas encore retenu. Qui va avoir la grenade flash. Deux spécialistes. Un tireur d'élite. Et puis une recrue. Ok, bah on a. Est-ce que je. On peut faire encore. Armure. Gilet nanométrique. Ça coûte 30 ressources. Je peux en faire un. Je peux en faire un. Mais du coup, j'aurai une grenade en moins. Ah, j'ai pas envie. On va lancer la mission. Donc l'objectif, ça va être de sauver au moins 6 civils. Et puis si possible, il faudra qu'un de ceux-ci devienne sergent. Comme ça, je pourrai développer dans la... Ah, comment ils appellent ça, le truc de guérilla, là. L'institut de guérilla, un cinquième slot pour mon escouade. Bon, on va essayer de pas merdouiller, très franchement. Alors, refuge la résistance. Emancipation Point. Ouais, ouais, ils m'ont regretté. Je me demande si je vais pas regretter encore, parce que je l'ai déjà regretté une ou deux fois. Non, une fois. Mais dans ma première partie de test, je l'ai fait, cette mission, et c'est passé assez bien. J'ai même réussi à, je crois, sans perte, et j'en avais sauvé 6. Mais alors là... Faut dire que j'ai vraiment merdé. Toutes les unités hostiles et protéger les civils. Vous savez quoi les amis, j'ai vraiment un petit zizi, mais je vais faire une petite sauvegarde. Je fais une petite pause et puis on se retrouve dans 15 secondes. Alors on se retrouve maintenant, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà recommencé 2-3 fois la mission, enfin de plutôt 3 que 2 d'ailleurs. J'y arrive pas, c'est terrible, j'ai une méchate, mais franchement c'est insultant. Le jeu me troll mais d'une puissance. La toute première version de cette partie, je l'avais fait avec Shannon. Et très franchement, j'avais aussi complètement merdé. Est-ce que je vais bouger avec ma recrue directement là ou là? Et je sais qu'ils sont par là, hein. Je spoil un peu. Est-ce que je bouge Morvana là? Non. Allez, headshot, tu vas aller là. En vigilance. J'ai un bon couvert. S'il y a quoi que ce soit qui se passe... pour du snipe. Je pourrais essayer de me mettre ici. Moving. Essayer de prendre, aller me mettre après là. Je pourrais avoir des opportunités sympas. J'ai déjà essayé d'aller en haut, mais c'est pas terrible. ça, c'est la recrue. Aisu, je vais plutôt te faire bouger là. Ça devrait les faire bouger les autres. Je suis prêt. Pratiquement, ouais. Les trois autres fois, c'était là. On dirait qu'il a dit headshot. J'aurais peut-être dû mettre l'autre. Ah, bah voilà. Je loupais toutes mes vigilances jusqu'à maintenant. Toi, t'as combien dessus? 34. Ah, mais elle est en vigilance. Je ne peux pas.
Est-ce qu'on va aller jusque là derrière? Là, j'ai un bon couvert. Et puis, c'est une recrue. Moi, j'aimerais bien. Alors, je sais pas, je vais probablement pas réussir à sauver tout le monde, loin de là même. Ouais, je pourrais faire ça. Mais en tout cas, s'il pouvait. Allez, au moins 3 qui survivent et un qui passe sergent, ça serait cool. Bon. J'ai toujours 34, je vais me mettre en vigilance. C'est pas beaucoup. Lui, il risque de vouloir bouger. Voilà, bah, il est loin. Et je le loupe. Bon. Bon, il faut que j'avance. Là, que j'agresse, parce que sinon, ils vont tous se faire piquer. Voilà, ça commence déjà. Là, je peux strictement rien y faire. C'est quasiment à l'autre bout de la map. Donc, j'ai mis un petit mode. Je sais plus ce que je vous ai dit ou pas, parce que vu que j'ai enregistré là-bas, du coup, 3 fois 1 demi-heure, pas loin. Toi, tu vas avancer à couvert, de ce couvert-là, voir ce que tu arrives à nous spotter. Rien du tout. En vigilance, Overwatch. Allez, je vais me mettre carrément directement là, j'avance comme un porc. Peut-être c'est ça qu'il faut faire, parce que je reste peut-être trop en arrière. Bon. Là, ça me fait avancer quand même beaucoup, hein. Allez. Voilà, ça en fait 2 de sauver, hein. C'est pas souvent j'arrive en tout. Voilà, ah oui, il y en a 10. Donc il faut 6 ans, il faut voilà, j'en ai 5 encore en rab. J'arrive pas à me mettre avec un vigilance ici. Ouais, ce serait bien là, couvrir un tout petit peu. Des fois que oula, 51%. J'hésite un peu. Que je peux bouger qui encore? Il n'y a que lui. Est-ce que je me mets en vigilance ou pas? Une chance sur 2. Allez, j'attente. J'espère que j'ai de la chance. Allez. Eh oui! Ah, la chance est un peu revenue. Bon, si je dois me faire à chaque fois 3 fois les missions pour les passer à peu près correct. Non, mais c'est que je me faisais juste laminer. Hein. Ça sert à rien, je vous montre ça. Ne soyez pas déçus, sinon je Peut-être qu'un jour je ferai en Iron Man. Non, j'ai jamais osé. Je sais pas s'il y en a parmi vous qui ont terminé le jeu en Iron Man, mais c'est de la torture mentale. Je suis loin de l'action quand même. Je vais me rapprocher un peu. Ça fait que de la vigilance au pistolet, mais bon. Ça, je vais peut-être pas la mettre tout de suite des fois que j'ai. Non, la grenade, je vais pas avoir d'utilité. Alors, où est-ce qu'il y a des cibles à sauver? Ah, c'est là-bas. Faut vraiment que j'avance, hein. Là, il y en a un autre là-bas. Ah, puis là-dedans, ça, je sais que c'est un anonyme. Donc, il va se transformer, cette saloperie. Je vais peut-être me mettre là. J'y vais. Ouais. Je passe en vigilance. Peut-être là, en vigie. Bien reçu, en route vers la cible. Ouais, ça va. Mais là, je vois personne, hein. Tout de suite. Peut-être là, c'est qui? Fusil d'assaut, c'est Aïssou. Si je bougeais Aïssou jusqu'ici, peut-être. Ouais, l'autre est en vigilance. Je peux voir ce qui se passe là-dedans. Ah, c'est loin, là, je peux rien y faire. Je crois que je vais me mettre là, puis aller le sauver. Comme ça, j'aurai. Ouais, je peux pas tirer après. Et là, je le sauve pas. Tandis que là, je peux tirer derrière si jamais il y a quelqu'un. Allez. Personne. Ok, ça en fait 3. Plus que 3. Ouais, si je me mets là, il risque de se transformer, ce salopard. Je réfléchis juste un peu, peut-être là. Est-ce que ça explose ces bidons? Allez,
Vigilance. Viens par là. Jusque là, vigilance, il y a quelqu'un dedans, il y a personne. Je crains pour ma peau si je m'approche trop de l'autre. On va essayer de se mettre là. Mais je sais pas, non, c'est peut-être pas très intelligent. Ah voilà, je les mets en évidence, eux. Il y a quand même ces petits temps morts. Bon, au moins, ils vont arrêter de tirer sur les civils. Donc, j'ai combien? 34 et 29. J'ai presque envie d'aller me mettre à couvert ici. Hein. Ouais. Bien reçu. Lui, il a 38. Je peux garder... Alors là, la grenade, je vais rester en... Non, je vais... Ah, j'hésite. J'ai que 38%. Ouais, non, on va rester en vigilance. J'espère qu'il va pas me faire un contrôle mental dessus. Ah, un autre qui va se faire... Donc, je disais, la grenade flash, que moi, je pense être pas très, très utile. Et Shannon m'a expliqué que j'avais tort. Dans le sens où les grenades flash bah, permettent de briser les liens que font les sectoïdes, notamment pour réanimer, ou les contrôles mentaux. Ça aussi, ça annule tous ceux qui sont sous vigilance et qui sont pris dans le rayon d'action. Donc plutôt pas mal. Donc j'en ai une, on va voir. Là, bon, il en réanime un, c'est plutôt cool. Ouh, attention, là j'en ai un, certes en vigilance, mais qui est à découvert. Ouh là là, heureusement, elle aurait pu très bien se faire tuer, la Aisu. Merde. Bon, on va rester en vigilance avec le snipe ici. Par contre, headshot, lui, il a personne. Est-ce que je peux me mettre en meilleure position? Là, je pourrais tirer. Je ne sais pas. Ordre bien reçu, j'y vais. Peut-être. Oui. 41%, c'est intéressant. Là, j'ai 27 seulement. Est-ce que je ferais pas mieux de rester en vigie? Et puis toi, alors, par contre, tu vas te casser et te mettre... Là, on est bien protégé. Mais s'ils me font des contrôles mentaux, ça va être chiant. Ah, allez, je vais me la jouer safe pour une fois, parce que je suis souvent un peu trop greedy. 32. Je pourrais me tenter au moins un. Allez. Encore de la chatounette. Non. C'est une erreur, ça. 41. Allez, j'attends. Je vous promets que quand je me faisais défoncer avant, c'est que j'avais vraiment des 65, mais... Ah, bah tiens, ça change, il est en haut. Ça fait une cible en plus. Hein. J'ai pas vraiment réglé le problème en bas. Hein. Mais j'ai des mecs qui sont en vigilance. Ouais. Et Violas. Si seulement ah, ils sont encore butés derrière. Et merde, il en reste combien de vivants? C'est long, ces entretours. Allez, tu me fais un beau headshot juste maintenant. Bon, s'il me fait le contrôle mental, désorienté. Bon, ça va encore. Allez, oui, bien joué, c'est la recrue en plus. Parce que je pourrais presque aller prendre le butin. Attention à pas être trop gourmand. Ouais, non, surtout qu'il y a lui qui arrive. Surtout qu'il y a lui qui arrive et il va m'en foutre une. Hein. Allez, loupe, loupe, loupe. Il fait mal, mais... Et il loupe. J'ai rien. Ça va. Il devrait pouvoir me le faire. I'm doing something. 16% seulement. Je peux lancer de grenade à fragmentation, mais pourquoi je peux pas? Pourquoi je ne peux... Ah, désorienté. Désorienté. Merde, fais chier. Est-ce que je vais me mettre plus loin. Clairement, ouais, ici ou là-bas, peu importe. Je suis en route. Je
pense qu'il va falloir qu'on lui tire dessus. Là, maintenant, de manière, j'ai que lui. Ouais, quasiment 80%. On va pas se louper ça. Hein. Il pourra tirer encore un coup après. Sans mauvais jeu de mots. Le brave Jerry. Putain, ouais, 16%, c'est la désorientation. Est-ce que je ferais pas mieux de me casser? Purement et simplement. Genre là. Donc il en reste 6. Toi, 68%. Ouais, bah tire dessus, ma foi. Tire dessus. On t'en voudra pas si tu loupes, hein, pas trop. Bah, on t'en veut vraiment pas. Non, elle l'a démonté. Les 5. Tu es bonne recrue, ça. Hein. Toi. Est-ce que tu ferais pas mieux de recharger là maintenant? Ou d'aller tirer là-bas? Position confirmed. 63, c'est pas mal, hein. Allez. Ah, ici, merci. C'est bien ça. Est-ce qu'il se casse? Est-ce qu'il réanime quelqu'un? J'aimerais bien qu'il réanime. Bon, là-bas, ça se fait buter. C'est chaud. Donc, il y a un sectoïde et puis un ou deux advents avec. Bon, un coup de blaster qui est critique, qui tue. Waouh! Loupé. Désorientation terminée? Toujours. Oh là là. 23%. Il est là. Si je me mets là. Est-ce que je le prends à revers? C'est la question. Ok, je bouge. Oui. Oh oui. Allez. 75%, 75% pour nos amis français. C'est loupé. Ah ouais. Thierry, qu'est-ce que tu m'as fait? Je pourrais aller carrément me mettre derrière. Comme ça. Là, je brûle. Non, si je fais ça. Ouais. Je suis parti. Allez, tu me loupes pas ça, hein. Tu me loupes pas ça. C'est bon. Elle est bien, cette petite. Ah! On les voit? Attention, là, tu vas être à découvert. Morvana. Je crois que je vais la mettre ici. Ouais, on va la mettre là. Ça risque pas de péter, ça, hein. Rassurez-moi. Là, je brûle si je vais jusque là. Comment je pourrais me mettre trop mieux? J'ai pas envie de brûler, ça me dit pas trop. Ah, c'est énervant. Bon bah tant pis, on va jusque là. Puis en charge. J'avais pas vu que j'étais à sec. Il me semble que là il y avait ah bah non. Alors là normalement je devrais y arriver après beaucoup d'efforts. Pourtant on est qu'au début du jeu, mais j'ai dû m'y prendre mal jusque là et j'ai vraiment pas eu de chance. Il en reste 4, donc je peux théoriquement encore réussir. Alors je suis pas super bien positionné pour aller secourir des civils. Il y en a là-bas. Il faudrait que j'avance un max. Puis à la limite que je les fasse se révéler, quoi. Allez, on va aller jusque là. Avec le snipe, c'est peut-être pas la meilleure idée que j'ai eue là. J'avais oublié que c'était le snipe. Où est-ce que je pourrais avoir un angle? En haut. Là-bas en haut. Là. Ça peut être intéressant. Mais il faut que je recharge. Tant pis, on va jusque là. On va essayer. J'espère que Jerry se fait pas spotter trop facilement et ou buter. Voilà, ils sont là. Donc, insectoïde, un advent. Est-ce qu'il y en a un autre? S'ils sont juste deux, là, ça devrait le faire quand même. J'ai peur pour Jerry, là. Je sens le coup de blaster dans la gueule. Si je pourrais arriver... Si je pouvais arriver là et tirer... Là, en haut, c'est pas excellent.
comment je pourrais me mettre le mieux possible. S'il bouge après, si on va là. Qui sprint par là. Go. Allez, on bouge. Parce qu'ils devront bouger pour se mettre en position. Et puis s'ils font ça, ils vont pas se mettre comme il faut pour lui tirer dessus sur Jerry. Mais j'ai peur pour lui, j'ai très peur. L'autre, le deuxième là, pour pouvoir riposter. Balance pas de grenade. Allez, Aisu à la rescousse. Allez, croisons les doigts parce qu'il est quand même à découvert. Enfin, pas à découvert, il est à semi-découvert et c'est vraiment de la saloperie. Alors là, on va tenter une réanimation. Je pourrais même envoyer une grenade là-dessus. Hein. Ça me pourrait faciliter la tâche. C'est qui, c'est Aisu qui l'a. Et puis ça briserait tout de suite le contrôle, enfin, le contrôle mental, la réanimation. Oh, attention, est-ce qu'il a découvert là? Il y a une vitre, il y a quelque chose. Et non, oh le salaud. Et il loupe, heureusement. Putain, salopard. Ah, il continue à victimiser les civils. Hein. Toi, tu ne vois rien avec ton snipe, c'est fort dommage. On va pas s'occuper de toi là tout de suite. Là, il faut recharger. Est-ce que je peux me mettre mieux? Peut-être plus à couvert. J'hésite. Toi, tu vois qu'il est à 52% là. C'est quand même pas mal. Hein. Je pourrais me la tenter. Par quoi commencer? Je suis sûr que vous, vous êtes là en train de regarder la vidéo. Vous dites, mais espèce de gros gland. Aisu, la grenade. Oui, la grenade flash, il l'avait. Pardon. Oulala, mais je suis fébrile. J'ai presque envie de sauvegarder. Hein. Mais il est où le sectoïde? Je le vois pas. Là, c'est le cadavre. Réanimé. Mais on le voit pas là. Je l'ai pas dans la ligne de mire, donc je peux pas tirer. Il faudrait que je me mette ailleurs. Alors, toi, tu vas te bouger. Alors, on va faire comme ça. Il va se recharger derrière. Désolé, les mecs, je fais un peu de la merde. Les mecs et les nanas, hein, je sais pas, il y en a peut-être qui regardent XCOM. Hein. Y a pas de raison. Ok, bon. Tant pis, je vais pas recharger. Toi. Voilà. C'était juste pour faire ça. Voilà. Désorienté. Et du coup, je lui mets le protocole de soutien sur lui. Voilà. Il est protégé. Toi, tu vas tenter le tir. Allez, 52%, tu peux te le faire d'un coup. Là, ça te ferait ta troisième victime. Allez. Oui. Oh, putain. Cible neutralisée. Il va falloir recharger, mais... Ah, alors, notre snipe, Morvana. C'est qu'elle pourrait être utile. Est-ce que je me mets en... Oh, la grenade, elle va jusqu'où? Je sais pas si je l'ai là dans... Alors je vais faire de la vigilance. Je sais pas si... On verra, on va voir. Normalement il me reste plus que le sectoïde et si je le bute... Il est désorienté. Oh le salaud, il tire sur un civil. Oh, je croyais qu'il allait bouger, faire un truc. Ça c'est moche quand même. Bon, recharger. Ça sera de la vigilance. En vigilance. Ensuite, si je me mets là... Ah merde, je recharge. Et le pire, c'est que s'ils en butent encore un, c'est fini. Oh merde. Là, on va se mettre en vigilance. Parce que si je bouge là, ça va servir à rien. Oh là là. Je vais tenter la grenade. Manière elle risque de plus trop me servir. Voilà,
J'aurais peut-être dû faire ça avant d'ailleurs. J'aurais peut-être bien dû faire ça avant. Est-ce que je le bute là? Je pense pas. Non, mais il est bien amoché. Contrôle mental. Désorientation annulée. Ok. Et là, c'est de la vigie. Oui, allez, cette fois, c'est bon, on le finit. Non, loupé. Ah ouais, alors elle, ça serait ça. Non, la loupée, ça aurait été magnifique, la quatrième victime. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Non, mais là, je peux plus perdre, merde. Panique. Bon, ça va. Si tu pouvais lui tirer dessus et puis le finir, là. Oui, vas-y, vas-y, vas-y. Merde. Ça aurait été vraiment beau. Bon, beau baptême du feu, en tout cas. Alors, combien j'ai? 49. 53. Ok, Aisu. Tu me le finis? Voilà! Et c'est gagné, là. Ouf! Ce sera le quatrième essai, les mecs. Hein. Je ne vous mens pas. Mais bon. Parfait, hein. C'était le prix à payer. Ouh! Mon commandant, mission accomplie. 66 de tir réussi. Ah bah ça change. Hein. Je sais pas combien j'avais avant, mais... Bon, voilà. Ça se tient. Alors, Xue Wang, hein, vraiment, ça sera le prochain nom. Je ne sais plus qui s'est proposé. Je crois qu'il y avait Guillaume. Hein. Ça pourrait être Guillaume. Ça fait pas très chinois, hein, mais pourquoi pas. Guillaume Wang. On va voir ce que... Comment elle a gradé. Il a gradé, parce que je crois qu'on va l'appeler Guillaume. Bon, allez, c'est bon. Puis on va voir si on peut recruter Shannon. Ah, il y a Yacine qui nous a manqué, là, qui est encore à l'infirmerie pour un jour. Dans l'infirmerie du Talion. Ah, oh, putain, j'ai le cœur léger, là. Ça fait du bien. Pourvu que ça continue comme ça, commandant. Oh, on va pouvoir, on va se taper toutes les promotions. Donc, la surveillance, c'était... utilise la vision commune. Ça, c'est bon, hein. Tir de riposte, c'est... Si vous êtes visé par un tir ennemi, vous ripostez automatiquement avec votre pistolet une fois par tour. Ouais, non, mais... Ça pourrait être cool, mais... Moi, j'aime bien ça. J'aime même beaucoup ça. Ok, donc Caporal Morvana. Ensuite, Caporal Aisu Taylor. Qui... non, qui est sergent. Qui est sergent, pardon. Donc là, on a le Gremlin pour dissiper n'importe quel effet psychique négatif, désorienté, étourdi. Ça, c'est très fort. Et puis, pirater les unités ennemies. Ça, c'est aussi très bien. Mais j'ai deux spécialistes. Là, on va faire les soins, enfin, les debuffs, là. Enfin, c'est très, très bien, ça. Pas des debuffs justement, au contraire. Je sais même plus comment on dit. Protocole médicaux. Ah bah voilà. Là on avait fait déploiement de drones robotiques. Là on avait le protocole de soutien. Le protocole médical. Allez, on a déjà un soutien. Je sais pas où le combat. Ça peut être utile juste pour niquer un mec. Ouais, le combat. Allez, on va se faire un combat. Et puis Jerry, il est assez... Je sens assez offensif comme ça. Et puis Wang, qui sera Guillaume, on verra Guillaume Wang. C'est un grenadier, le pote à Yacine. Eh bien, très bien. Moi, je suis content, c'était vraiment rentable. Donc, on a du cadavre qu'on ramène, c'est magnifique. On pourra faire l'autopsie d'ailleurs des anonymes, une recherche en plus. Je sais que vos ressources sont grandement limitées, commandant. Ouais. Mais vous avez réussi bien au-delà de mes espérances. Ouais, bien au-delà des miennes. C'est du beau travail. Merci. Carence en ressources. Ouais, j'ai pas beaucoup de fric. Hein. J'en ai 10. C'est quand d'ailleurs que... Bah, c'est dans un jour. Hein. Dans un jour. Bah écoutez, je crois qu'on va se laisser là. Il y aura des choses à faire. C'est quoi ces petites icônes? Maximum de communication. Oui, et puis ingénieur disponible. Ok, on pourra exploiter tout ça. Bon, bah, on a des choses à faire. Je vais pouvoir prendre le temps d'apprendre à piloter cet engin. Ouais, ça serait bien. Bon, pendant qu'il cause, moi je vous dis. Et en tout cas, je vous souhaite une excellente journée, soirée ou nuit. C'était DRK36 sur XCOM 2. Et je vous dis à très bientôt. Ciao.